mardi matin, il est minuit 45, je suis parti à 1h15. 1h15 de Drummondville. Je vais chercher ma vanne et puis direction DHL à Mississauga, normalement le Toronto, pour demain matin. On vide là-bas et puis retour au dépôt, à notre dépôt à Mississauga, à côté de Toronto, pour dormir là-bas et puis repartir demain dans la soirée. Donc, voilà. Pour une petite vidéo comme ça. Raise your glass.
Arts Contemporains.
de neige mardi, mercredi aussi, avant que la tempête débute. Et pour se poursuivre, jeudi, donc une semaine de neige à Montréal maximum, plus un aujourd'hui. C'est très doux. Pour ce qui est de Joliette, ça tombe en neige aussi 1 degré et le retour du soleil ne se fera pas avant vendredi à Trois-Rivières. Généralement nuageux, quelques averses de neige débutant le matin, maximum de 0 degré, refroidissement ionien à moins 12 le matin. À Québec, c'est nuageux, puis la neige commence le matin, quelques averses avec maximum de 0. Dégagement en soirée, on aura du soleil mercredi avant que la neige arrive dans la nuit de mercredi à jeudi. La région de Québec aussi a ce bulletin météorologique spécial, tout comme la Mauricie et puis la Beauce également. 2 cm vont tomber aujourd'hui, mardi. Maximum moins 1 degré, les averses de neige cessent en soirée. Gatineau, moins 1 degré présentement, ça va être autour de 1 degré le maximum aujourd'hui. Les averses de neige cessent en mi-journée là, et ça débute en fin de nuit. D'ailleurs, si ça a commencé la neige, vous pouvez me texter au 98985. Ça devrait quand même arriver dans quelques heures sur l'Outaouais. À Sherbrooke, des averses de neige ont débuté en soirée et aujourd'hui, mardi, 2 à 4 cm sont attendues avec maximum de moins 1 degré. Il y aura aussi de la neige intermittente mercredi avant que la grosse tempête arrive plus tard dans la journée de mercredi pour se poursuivre jeudi. À Saguenay, il n'y a pas le bulletin météorologique spécial qu'on a dans le sud du Québec. Tout sera nuageux avec des averses de neige débutant le matin, poudrerie par endroit l'après-midi. On prévoit 2 cm aujourd'hui avec maximum de moins 3 degrés. Il y a des vents, des bonnes rafales de vent en mi-journée qui vont devenir plus légers en soirée. Et le minimum la nuit prochaine sera de moins 22 degrés. Et je ne parlais pas de l'éolien. L'éolien, c'est à moins 30. La nuit prochaine, on parle de risque d'engelure pour Saguenay. Alors que cette nuit-là, c'est à moins 10. Vraiment, donc, un gros refroidissement sera observé. C'est que demain, mercredi, on aura du soleil. Ce sera dégagé. Donc, c'est plus froid dans ce temps-là, les nuits. En Abitibi, des averses de neige qui cessent le matin à Rouyn. Et puis, le mercure, lui, est à... le ressenti à moins 12, là. Et c'est ça. Donc, ensoleillé pour mercredi. Vous allez éviter, dans l'Abitibi, la tempête du sud du Québec dans la nuit de mercredi à jeudi. Pour ce qui est de la Côte-Nord, c'est des averses de neige débutant en après-midi avec au maximum moins 3. Dans le Bas-Saint-Laurent, c'est des averses de neige débutant en mi-journée également, maximum moins 3 degrés. On prévoit 2 cm à Rimouski. Et puis à Gaspé, ensoleillé aujourd'hui, maximum de moins 2. 1h03, comment réussir sa rupture? Tantôt, j'ai eu l'appel de Michel qui voulait me dire que pour les grands-parents aussi, c'est compliqué, ce genre de situation-là. Et on doit se sentir encore plus impuissant parce que c'est le couple de notre fils ou de notre fille qui brise. Puis les gardes partagés, c'est pas toujours évident. Il y a des grands-parents qui ont beaucoup de misère à voir leurs petits-enfants, donc c'est un choc également. Alors, si vous voulez commenter là-dessus, papy et mamie, là, vous pouvez appeler le 514-790-0224 1-800-667-5281. Michel a quitté la ligne, là, mais je voulais quand même apporter son point. Ça apporte des enjeux aussi pour les beaux-parents qui
530 ouest. C'est pour éviter le péage. Je ne sais pas où bien faire, mais le temps de route est pareil. Et puis, ouais, y a pas de... au niveau kilométrage, c'est à peu près pareil. Donc, bon, puis ça change un peu. On prend un petit bout de route nationale et puis on va avoir quelques lumières à passer. Et puis on va passer au-dessus d'un... ouais, au-dessus d'un bras du Saint-Laurent où il y a quelques écluses pour réguler le débit du Saint-Laurent. Là, au niveau de Salaberry de Valéville. Questions and no answers at all. No answers at all.
En matière dangereuse, j'aurais dû m'arrêter là, mettre des warnings et puis m'arrêter à la ligne blanche pour laisser pour stopper pour la voie ferrée. On est obligé, c'est une des seules restrictions qu'on a ici au Canada pour les poids lourds en matière dangereuse. On n'est pas limité comme en France. Limité en vitesse, on peut rouler à 100, il n'y a quasiment aucune route interdite aux matières dangereuses, à part dans les centres-villes, certaines villes, mais non. Ça arrive souvent qu'on soit en dangereux pour aller comme revenir de Toronto, mais aujourd'hui c'est DHL, donc il n'y a pas de dangereux. Et puis il y a pas de, on n'est pas obligé de mettre le chauffage en route non plus. Parce qu'avec souvent en matière dangereuse, c'est des peintures, des trucs comme ça, donc avec le froid, faut mettre le chauffage. Pour pas que tout ça gèle dans la remorque. Bon, ce soir, on va avoir les lumières rouges. Certains jours, on les a bien, et puis certains jours, c'est comme là. T'as beau respecter la vitesse, mais bon, ils sont pas décidés à te laisser passer. Juste pour ça.
manqué de neige au début de l'hiver, mais si on a ce qu'ils annoncent pour après-demain, on va rattraper ce qu'on a pas eu avant Noël et Nouvel An. Donc ça va commencer à faire épais. Alors on a un hiver beaucoup plus doux, là, les températures ça tourne autour de... Allez, en ce moment c'est souvent 0 degré. Ça va jusqu'à moins 4, mais c'est rare quand ça descend en dessous de moins... Ouais, il y a eu quelques 2-3 jours où c'était à moins 14. Mais sinon c'est moins 4, 0, 1 degré, 2 degrés. Voilà, les camions sont en route pour aller récupérer la neige pour dégager les derniers trottoirs et routes qui n'ont pas été dégagées.
4 jours parce que là, dans l'autre sens, enfin dans les deux sens, la route elle est interdite entre 7h et 19h. Mais là, on peut, à cette époque-là, il fait pas le jour à 7h, donc quand je passe le matin, si je passe aux bonnes heures, je passe à juste avant 7h, mais il fait encore nuit.
Ontario pour faire.